Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour. Vous m'avez énormément manqué, ça fait longtemps que je ne suis pas passée en face de la caméra. J'essaie de vous partager sur Insta pour toutes celles qui me suivent sur Insta et sur Snap quelques petites choses, mais franchement, j'étais pas trop présente. Et pour les vidéos, je me suis absentée parce que franchement, faire les montages le soir et sachant que j'étais très fatiguée et tout, c'était un peu compliqué. Donc là, je reviens. Vous m'avez vraiment manqué. Vous avez été toutes bienveillantes, vous avez pris de mes nouvelles, vous avez demandé après moi. Et bah finalement, je suis là. Donc là, je suis de retour. Je suis de retour et je vais essayer de garder un rythme pour vous partager vraiment tout ce que je fais et les peu de choses que j'ai essayé de vous snapper et vous étiez tous à me réclamer les recettes et tout. Donc là, je vais essayer de tout rattraper en vidéo, vous faire des recettes détaillées et puis vous partager tout ça, quoi. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année se passe bien. Bientôt les vacances, si vous partez en vacances. Perso, moi, il n'y a pas de vacances. On était censé partir en vacances, mais subhanallah, bah, Maktabch, avec tout la flambée des prix des bateaux, de l'avion et tout, malgré que le Maroc, en temps normal, c'est pas cher, mais là, franchement, c'est un peu une catastrophe. Donc, on s'est dit, franchement, ça faisait trop hors budget, les vacances. Donc, cette année, sachant que les années d'avant, on est parti, chaque année, on est parti. Dans les campings. On a fait plusieurs campings, on a bougé en Espagne, on a bougé au sud. Donc, franchement, cette année, ça va être une année repos, une année travaux, parce que regardez derrière, on avait fait pas mal de travaux les années qui venaient, au fur et à mesure, petit à petit, on les fait. Parce que pareil, question de budget, franchement, la maison, ça s'arrête jamais, jamais au niveau des travaux. Parce que dès qu'on commence une petite chose, hein, on commence à. Du moins, moi, mon mari, je lui dis, ouais, tu veux pas qu'on rajoute ça? Ah, finalement, si on fait ça, et si on rajoute ça, et bien, du coup, on s'arrête jamais. Les travaux qui étaient censés être finis, et ben, ils sont en attente, puisqu'on rajoute à chaque fois quelques petites choses et on ne fait pas le gros qu'on veut faire. Donc, voilà. Donc les travaux, maliches, hein, on est là, ça nous occupe, c'est la vie, on va dire. C'est les choses de la vie, hein, ça nous occupe. C'est comme le ménage, comme le repas, comme on a beau se plaindre, mais c'est la vie, c'est ce qui nous occupe au quotidien. On peut pas les arrêter, c'est des tâches indéterminées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une recette de gâteau. Et je vais vous partager ce que je vais faire au niveau du repas là. Et je vais vous partager. J'ai reçu la Prosenik. C'est la T22 Air Fryer. Et franchement, bah c'est les mini fours friteuses, fours, ça fait tout. Donc ça aussi, je vais vous le partager. Donc le carton il est là. Je connais déjà le système. Donc ça, je sais que c'est juste top. Mais on va tester cette marque-là. Parce que j'ai testé d'autres marques. Mais cette marque-là, voilà. Mais sinon, et après, ça va être le design généralement qui va changer et tout. Mais je pense que ça va être la même chose. Hein. Donc go la tester. Et go vous partager une recette de gâteau super simple. Hein, mais simplissime. Mais super bonne pour les goûter et tout. C'est un petit sablé. Donc ça, vous avez été énormément à me demander la recette sur Insta et Snap. Donc là, je me suis dit, je vais vous la faire. Franchement, c'est simple, mais simple, simple, simple. Donc sur cette recette, je vais vous sortir deux gâteaux. Donc comme ça, moi, si vous voulez faire même pour l'Aïd qui arrive, c'est top. Et puis en même temps, je vais faire mon repas, mon ménage et je vais vous partager mon quotidien. Allez, go!
Alors, vous avez un écran digital où vous avez 11 programmations. Donc, la température maximale, c'est 205 degrés. Et franchement, vous pouvez tout cuire, le poisson, les gâteaux, les toasts. Vous avez vraiment les légumes, les pizzas. Et perso, j'ai tout essayé. Et sincèrement, au niveau cuisson, il n'y a rien à dire. C'est de la chaleur tournante. Donc, comme un four, mais c'est tellement concentré que ça cuit assez rapidement. Et puis, on a une grille aussi qui permet de surélever les aliments. Donc, du coup, le gras il descend. Vous allez le voir avec les merguez et tout. Du coup, tout le gras reste en bas. Et puis, l'aliment il est surélevé au niveau de la grille. Donc, au niveau design, il n'y a rien à dire. Franchement, elle est super belle. Et le bac rentre au lave-vaisselle. Donc, c'est facile à entretenir, c'est pas un souci. Et même sans lave-vaisselle, hein, perso, je mets pas au lave-vaisselle et c'est facile d'entretien. Donc, elle est programmable. Il y a une application qu'on scanne le QR code et ensuite on installe l'application sur son smartphone. Et ensuite, il n'y a plus qu'à diriger à distance. Donc, dès que vous êtes au travail, vous pouvez la programmer, mettre votre aliment à l'intérieur et puis programmer 20 minutes, une demi-heure avant de rentrer, l'aliment sera cuit. Franchement, c'est comment ça s'appelle? Cette machine-là, je m'en passe plus. Franchement, je m'en passe plus. Et vous le voyez à travers mes snaps et tout, c'est juste vraiment très très pratique. Pour moi, au quotidien, sachant que je travaille, donc mes filles, quand elles rentrent, elles sont pas à manipuler le feu. Elles mettent la pizza dedans, elles font les hamburgers, elles mettent les poissons dedans. Donc, franchement, c'est juste top. Donc là, j'ai fait la découverte de deux poissons. Bon, la découverte, non, un seul, on va dire, c'est les nuggets. Et le reste, j'ai l'habitude, sauf que je viens de les découvrir ce packaging chez Lidl. Donc là, vous avez les croquettes de poisson que je connais, mais d'habitude, je les achète ailleurs. Donc là, j'en ai acheté à Lidl. Je voulais goûter ceux de Lidl. Et par contre, là, les nuggets de poisson, ça, c'est Fatiha qui nous a fait découvrir. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et franchement, ils sont juste super bons. Les enfants, ils en raffolent. Regardez, mais vraiment à l'intérieur, c'est vraiment moelleux. La chair de poisson qui est franchement super, c'est super. Donc, de toute façon, je vous partage ça au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, là, j'ai mis le riz et j'ai mis du riz que j'achète à Aldi. Et ça, par contre, là, je me suis fait avoir d'habitude, je l'achète dans les petits sachets. Donc, du coup, là, je vais le mettre dans un bocal pour pas que ça traîne comme ça. Je déteste garder les boîtes. Donc, franchement, il est juste top. Il colle pas, rien du tout. Il est au niveau cuisson. Je vous le recommande. On n'est pas obligé d'acheter des grosses marques ou d'aller pour pouvoir avoir on va dire des aliments de qualité. Hein. Celui-ci, le riz de Aldi, il est juste top. Le kilo, il est à 1,80 € et je trouve que c'est vraiment pas cher. Hein. Donc là, je vais attaquer mon ménage. J'ai un lave-vaisselle, hein, comme je vous ai dit, il est de l'autre côté de la cuisine. Mon mari n'a pas voulu le mettre. Au niveau de la cuisine ici, il est dans l'arrière-cuisine et c'est pas pour autant que je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que quand je fais ma cuisson en même temps, franchement, ça me déstresse quand je fais mon ménage en même temps et que je lave ma vaisselle. Donc c'est beaucoup plus les filles que j'incite à comment dire à utiliser le lave-vaisselle parce qu'elles gaspillent trop d'eau. Franchement, on a des factures un peu salées quand c'est eux qui font la vaisselle. Donc, alors du coup, la plaque perforée, je vous l'avais déjà partagée. Je l'avais pris à Stokomani pour 7 euros et franchement, je ne le regrette pas. Et puis pareil pour le tapis, c'était à Action à 2,99 € ou 2,80 €. Franchement, pareil. Hein. Sincèrement, c'est la même chose que les grandes marques. Donc là, je vais tout laver, tout essuyer et tout ranger.
Alors, du coup, là, je vais faire une petite sauce pour accompagner le riz. On a pu voir, il n'est pas collant, rien du tout. Franchement, il est juste top. Donc, une petite sauce à base de crème fraîche. D'habitude, je rajoute un peu de crème liquide pour que bah, ça soit moins épais. Mais bon, je n'avais pas ça sous la main, donc j'ai fait juste avec la crème fraîche. Je vais rajouter des épices, sel, poivre, piment, piment en paillettes. Bref, pas mal de petites épices. Pour que ça soit goûteux, comment ça s'appelle, du persil séché. Et puis voilà, donc après ça va faire l'affaire, franchement ça va être super bon. Là je vais, j'aime pas utiliser le gros pot de sel, donc du coup je recharge le récipient où j'ai le sel, et là je vais épicer. Donc voilà, j'aime trop mettre des épices, mais dans tout, des fois même dans le riz. Quand je vais finir, je vais l'épicer si j'ai pas mis, par exemple, si j'ai pas mis de sauce à part. Donc je vais mettre des épices dedans. Alors là, je vais dresser la table. Au fur et à mesure, je pose bah, tout ce que j'ai préparé, la sauce, le riz. Là, bah, le poisson, il a bien cuit. Vous avez vu dans la machine, il n'y a rien à dire de chez Procénic. Franchement, ça a cuit, mais parfaitement. Et sincèrement, au quotidien, c'est la machine à avoir parce que quand je reviens du travail, je vous snap généralement. Et vous voyez généralement que bah, ça me facilite la tâche, mais énormément. Donc là, je vais faire un petit smoothie assez rapide, fraise-orange. Donc, question d'avoir un petit jus d'orange. Je ne suis pas trop soda, donc j'évite de leur acheter trop de tout ce qui est soda, coca et tout. Donc là, la petite touche de légumes. Donc ces temps-ci, je fais beaucoup de carottes râpées, concombres, tomates en salade et tout. Donc ça fait la petite touche de légumes pour avoir vraiment un repas équilibré. Hein. Sincèrement, ça généralement, tous les midis, j'essaie de faire quelque chose d'équilibré. Et bah, dès que les filles elles sortent avant moi, donc celles qui lancent le riz, les pâtes ou qui lancent la machine, qui mettent à cuire le poisson, quand il y a du poisson, je leur prépare le poisson, ou bien des fois hamburger maison et tout. Mais en gros, j'essaye au maximum de faire des menus équilibrés. Franchement, les boulettes de poisson, elles sont juste tendres et je vous les conseille. C'est à Lidl, testez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi perso, je ne connaissais pas. D'ailleurs, si tu passes par la Fatiha, je t'en remercie beaucoup. C'est toi qui m'as donné, qui m'a montré, bah, qui m'a montré qui ne connaissait pas. Je ne connaissais pas. Donc, on a l'habitude de prendre le poisson pané, de prendre. Ce qu'on mange au quotidien, nos habitudes, et on oublie, on va dire, tant pas autre chose, et on regarde pas assez les rayons. On a tellement l'habitude de faire nos courses que on scrute pas côté poisson, les nouveautés ou les choses qu'on ne connaît pas forcément. Comme là, les nuggets de poisson, je connaissais pas forcément. Donc, franchement, du coup, là, on s'en passe plus. Même bah, comme ça me permet d'avoir des repas assez équilibrés et rapides à faire. Quand je travaille pas, donc j'ai fait généralement des plats élaborés, mais quand je suis au travail et que je rentre pour 1 heure, 1 heure et demie, donc je me dépêche
Je me dépêche quoi, je me dépêche de faire à manger. Et là, les nuggets de poisson, le cordon bleu, les cordon bleu et tout, tout ça, ça sauve franchement pour avoir là, avec une petite salade et du riz ou des pâtes. Franchement, les enfants, ils aiment trop, ou bien une petite purée. Donc, ça permet de manger bien et pas forcément manger n'importe quoi. Donc là, pas de gaspillage. Je vais tout bissaver. Sincèrement, par contre, le bissave, je m'en passe pas. Donc, je vais tout bissaver, la sauce, le riz et tout. Le riz, comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut manger après, bah, il n'y a plus qu'à réchauffer. Et c'est bien conservé. Quoi d'autre encore? Et puis, pas de gaspillage, ouais. Et le petit peu qui reste de riz que mon fils, il n'a pas fini, bah, je vais lui mettre dans une petite assiette et je vais lui laisser. Comme ça, quand il aura une petite faim, bah, il terminera son assiette. Et puis voilà quoi, mais franchement c'était super bon. Là, j'ai programmé mon film LMNA. Franchement, j'aime trop, j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure série, on va dire, que je suis, parce que la meilleure c'était Miran. Franchement, c'est vrai, elle est juste magnifique. Si vous voulez une série turque, regardez Miran, c'est là, mais vraiment, vraiment, oh là là, la chute, l'intrigue et tout, c'est, il n'y a rien à dire. Donc, MNA, il est bien, mais voilà quoi. Franchement, il y a mieux, on va dire. Là, c'est question d'avoir une série sous la main, série turque, et la regarder, m'occuper. Donc, du coup, là, je mets l'iPad sur le côté. Et en même temps, j'ai pas besoin de regarder. Donc, moi, quand je connais la voix des acteurs. J'ai vraiment pas besoin de regarder, j'ai besoin juste d'écouter. Donc j'écoute en même temps et je fais mon ménage. C'est pour ça que j'ai besoin de séries, de regarder. Comment ça s'appelle? Ça me tient compagnie, mais énormément. Du coup, bah, je l'ai mis derrière ça papote. Hein, j'écoute la série. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et là, je suis en train de refaire le tri parce que mes filles. Bah, dès qu'elle vide le lave-vaisselle, franchement, il y a des choses qui sont de l'autre côté dans l'arrière-cuisine. Il y a des choses qui vont sur le côté, les couteaux que j'utilise au quotidien, les petits couteaux là pour les légumes et tout. Ceux-là, ils ont une autre place vers les épices et tout. Et bon, elles jettent ça un peu n'importe comment, mais tant qu'elles le font, franchement, je vais pas non plus être super exigeante. C'est au fur et à mesure que bah, ça sera parfait. Donc là, bah, je repasse derrière et quand moi je range, j'essaie de bah, réorganiser comme il se doit, comme ça doit l'être. Donc du coup, mais sinon, faut les laisser faire. Donc faut les laisser faire. Moi avant, ça me stressait tellement que bah, je faisais tout. Et ou bien quand je la voyais, elle ne faisait pas comme il fallait, bah, je repassais derrière et après, bah, je lui redemandais plus. Mais non, maintenant, bah, même limite, si elles font quelque chose qui est mal fait, bah, je les rappelle et je leur redis de le refaire. Comme ça évite qu'elles manipulent un peu et qu'elles se disent, bah, si on le fait mal, bah, elle va le refaire et puis après on sera tranquille. Non, non, comme ça, ils sont obligés de faire les choses correctement. Et franchement, de ce côté-là, elles m'aident énormément. Sincèrement, elles m'aident énormément. Au niveau du linge, au niveau de la vaisselle, même la petite dernière, celle qui la range. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Je suis super contente d'elle. Bon, il y a des fois, on est toujours en train de râler en tant que parent, mais super satisfaite. Elles sont investies dans les tâches quotidiennes de la maison. Donc, ça, c'est juste top. Quand tu as tes enfants qui t'allègent sur pas mal de choses, tu sens pas quand tu as une activité, le travail. On le sent pas. On le sent pas énormément. Moi, franchement, au niveau du quotidien de la maison, j'ai pas l'impression de travailler. Alors là, je voulais vous partager. Ça, c'est le lendemain. Et je voulais vous partager les merguez à l'intérieur. Franchement, c'est juste une tuerie. Les merguez et les frites, et vous êtes beaucoup à me demander au niveau des frites et tout si c'est top. Donc là, je vous partage les frites et après, je vous partage les merguez et vous allez voir comment ça cuit. Les frites, moi, je rajoute vraiment mais vraiment minuscule cuillère de beurre
question d'avoir vraiment légèrement du gras, mais léger, hein, parce que moi je vous ai dit que j'avais un problème de, comment ça s'appelle, de cholestérol, donc j'évite tout ce qui est trop gras, et c'est pour ça que franchement c'est juste top pour tout ce qui est cuisson. Regardez le gras qui reste tout en bas de la cuve, et les frites pareil, elles sont, mais on a l'impression qu'elles sont cuites dans l'huile. Et sincèrement, pour quelqu'un qui cherche un compromis, avoir une machine qui cuit assez rapidement, et en plus, parce que les anciennes machines qui cuisent les frites sans huile, c'était des 2 heures de cuisson. Moi, je sais que je ne les ai pas achetées pour ça, malgré que je voulais vraiment manger sainement. Et celle-là, mais vraiment un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment le temps même en friture quoi. Et d'avoir des frites saines qui sont pas bourrées d'huile, c'est juste top. Hein. Franchement, on apprécie. Donc du coup, là... Alors pour la recette, il va nous falloir 2 œufs, de la levure chimique, sucre vanillé, farine, cacahuètes émincées, sucre glace, bicarbonate de soude, une pincée de sel. 250 grammes de beurre de beurre moulu et de la confiture et de la noix de coco. Alors la recette elle est super simple, on va tout mettre dans le thermomix. Alors celles qui n'ont pas un thermomix elles peuvent le faire à la main ou sinon le battre avec un batteur simple ou bien un autre les robots pâtissiers normal. Donc vous mélangez tout. Et vous mettez à peu près. De toute façon, je vais vous tout mettre en barre d'infos pour 1 kg de farine. Je vais mettre tous les ingrédients. Et là, je vous mets les étapes. Je fais des boules. Et après, je trempe dans le blanc d'œuf. Et puis, je trempe dans les morceaux de cacahuètes. Donc, à vous de mettre si vous voulez mettre cacahuètes ou amandes, comme vous voulez, émincer. Vous faites ce que vous voulez. Donc après, je mets ça au four. Je fais un petit trou au milieu. Et après, je refais d'autres boulettes. Par contre, là, ça, à mi-cuisson, il faut vraiment faire attention, le ressortir et puis rappuyer dessus pour que bah, le petit trou où on va mettre la confiture, et bah, il reste apparent. Parce qu'avec la cuisson, ça gonfle. Regardez. Franchement, c'est une recette assez simple mais super bonne. Donc je vais faire des boulettes aussi. Regardez là, ça a été cuit. Faut faire attention, faut pas qu'il cuit énormément jusqu'à ce que ça brûle. Faut que ça reste doré même au niveau du bas. Faut que ça reste mais légèrement doré. Donc là je vais mettre sur un plat et la confiture. J'ai mis un peu de fleur d'oranger mais un léger, une, vraiment une petite cuillère de fleur d'oranger et j'ai réchauffé le tout au micro-ondes et là je vais remplir les petits trous que j'ai fait auparavant et c'est tout simple mais vraiment tout simple et vous allez regarder comment c'est vraiment vraiment moelleux et je vais faire pareil les boules de coco c'est la même chose des boules les mettre dans les faire cuire et les mettre les badigeonner dans la confiture. Sachant que les boules de coco, je n'avais plus de confiture d'abricot, parce que le meilleur, c'est avec la confiture d'abricot. Au niveau esthétique, c'est au niveau visu, il n'y a rien à dire, c'est mieux la confiture d'abricot. Mais j'ai fait avec la confiture de fraises, regardez, au niveau esthétique, elles sont pas top top, mais au niveau goût, franchement, c'était juste, franchement, les boules de coco, il n'y en avait plus aucune. Alors, hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me les partager. Alors, donc, je vous mets tous les renseignements concernant la T22 Airflyer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.